La société de séduction, c'est la société de consommation. Il n'y a pas de, 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 de consumérisme sans une immense machinerie de séduction. Et la séduction, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet Elle a déplacé le centre de gravité de la vie du public vers le privé. Désormais, depuis un demi-siècle, le, le centre de nos vies a basculé du côté de la recherche du bonheur, des sensations, des évasions. Le tourisme, les loisirs, euh, la consommation, et tout cela a privatisé l'existence. Là où autrefois les traditions euh, encadraient les existences, les gens obéissaient à des règles qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas, mais de toute façon qui étaient imposées à eux. Mais le, la société de séduction, elle a permis l'éclosion d'un nouveau type d'individualisme. Recentré sur soi. Chacun recherche son propre bien-être, euh, euh, exige l'autonomie, parce que c'est à chacun de, de vivre comme il l'entend. Et euh, bien entendu, ce n'est pas sans la société de séduction qui a produit ça. C'est une longue, une longue aventure depuis le 18e siècle, le, les droits de l'homme, euh, la reconnaissance de la liberté de l'égalité des, des êtres. Mais la société de séduction, depuis 1950, en gros, elle, a, elle est passée à une vitesse supérieure en ce qui concerne l'éclatement des, des, des encadrements collectifs.